Bonjour et bienvenue sur ce webinaire organisé par la région Auvergne-Rhône-Alpes en partenariat avec les chambres de commerce et d'industrie de la région, les chambres d'ANA de la région et la Confédération des petites et moyennes entreprises. Cette séance est consacrée aux outils du e-commerce. Elle est destinée aux commerçants et aux artisans qui sont impactés par la crise sanitaire et qui, à court terme, utiliser les outils pour continuer leur acteur, leur lien avec leur clientèle. Et cette séance d'information est également consacrée pour le long terme. Elle s'inscrit dans le long terme et elle doit vous permettre de mieux connaître les outils du digital pour passer le gap de la digitalisation. Quelques éléments de cadrage avant de débuter. Nous avons souhaité une séance de présentation très concrète pour vous parler des outils du numérique qui peuvent vous aider en cette période de reprise d'activité. Il est prévu un webinaire qui dure 1h30, 1 heure de présentation, puis tu en réponse. Vous pourrez vous exprimer par l'intermédiaire du chat. Donc, vous verrez sur la droite de votre écran la possibilité de poser des questions par écrit. Comme vous êtes nombreux, nous avons souhaité utiliser cette solution et nous serons deux pour relayer vos questions auprès de notre intervenant. Sachez que ce webinaire fera l'objet d'une captation d'image et qu'il sera disponible sur le site internet de la région. Vous aurez au cours de la séance un envoi du lien sur lequel vous pourrez vous rendre pour revoir donc cette présentation. Sachez que ce diaporama également sera disponible toujours sur le site internet de la région. Je suis Nathalie Boudard, je suis responsable du service action économique dans les territoires à la région Auvergne-Rhône-Alpes. La présentation des solutions numériques du e-commerce vous sera assurée par Nicolas Balédier. Nicolas travaille depuis 20 ans dans le domaine du digital et il a accompagné des entrepreneurs dans leurs projets de vente en ligne et sur leur visibilité sur Internet. Nous lui avons demandé d'être concret, de vous présenter des outils sur étagère qui sont facilement utilisables pour pouvoir organiser un click and collect, pour pouvoir organiser des prises de rendez-vous ou des livraisons et pour vous référencer sur la toile. Avant de lui donner la parole, je souhaite attirer votre attention sur trois points. La séance de ce soir s'inscrit dans le cadre d'un plan global en faveur du e-commerce lancé par la région. Doit vous faire permettre et de cette réouverture, mais aussi, comme je vous l'indiquais précédemment, vous inscrire dans le long terme. Donc, sachez qu'il y a des webinaires, bien sûr, mais aussi des aides directes aux investissements, des accompagnements, du conseil individualisé, et que vous retrouverez toute l'information toujours sur le site internet de la région. Sachez également que la région a lancé ce jeudi 3 décembre un grand annuaire de référencement des commerçants et des artisans de la région. Cet annuaire de référencement s'appelle J'achète dans ma région. Près de 9 000 entreprises sont déjà référencées. C'est un site qui a vocation à mettre en avant tous les commerçants de la région qui sont présents sur des sites de e-commerce ou qui ont des solutions digitales de click and collect, de livraison à domicile, de vente à distance. Nous invitons à vous y référencer. Cela prend 3 minutes. Cela vous donne de la visibilité auprès du public. Le succès de ce repose également sur le fait qu'il soit le plus complet possible et que l'on puisse vous y trouver. Sachez également qu'à partir d'aujourd'hui, la région a lancé une grande campagne de sensibilisation et de communication sur l'achat local auprès des consommateurs. Nicolas Balédier vous expliquera comment vous référencer sur cet annuaire régional. Le troisième point que je voulais vous indiquer, et vous le voyez à l'écran, c'est que la région a mis en place une hotline e-commerce pour toute question relative à ces techniques de digitalisation. Vous pourrez joindre un technicien au 0 426 73 57 57. Je donne maintenant la parole à Nicolas Balédier. Oui, bonsoir à tous. Donc, on va passer 1h30 ensemble sur l'e-commerce et les moyens pour mettre en place pour votre commerce ou votre entreprise des solutions concrètes
pour créer du lien, vendre en ligne de façon plus efficace. Donc effectivement, si vous avez des questions, vous pouvez contacter la hotline comme à l'avis de ma collègue. Pour les questions techniques, c'est opéré par l'ENE et vous avez le numéro à cet endroit-là. Alors, le webinaire va être segmenté en plusieurs parties. On va faire un petit point rapide sur une aide très spécifique qui est très adaptée aux commerçants et qui est opérationnelle dès tout de suite. Et par la suite, on va voir donc différentes solutions très concrètes à mettre en place, de la plus simple à des un peu plus complexes. Et à la fin, il y aura un temps d'échange de 30 minutes où vous poserez vos questions sous forme de chat et j'essaierai de répondre le plus la plus pragmatique possible. Alors, au niveau des aides, il y en a une qui est opérationnelle tout de suite et d'autres qui vont être décrites plus tard, qui s'appelle Mon commerce en ligne. C'est une aide pour les commerçants et les artisans pour les aider en fait dans le passage à ce projet, à la mise en place d'un projet numérique ou e-commerce ou dans l'amélioration de leurs services existants. Donc c'est une aide qui peut atteindre un montant de 1500 euros. Jusqu'à 500 euros de budget de dépenses, la région finance à hauteur de 100% sous forme de subvention et au-delà de 500 euros, ils prennent en charge à hauteur de 50% des dépenses complémentaires. Donc ça veut dire que un projet qui a un coût de 1000 euros, et bien vous serez financé à hauteur de 750 euros, 500 euros sur les 500 premiers euros et la moitié des 500 euros restants, donc 750 euros sous forme de subvention. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc c'est valable pour les entreprises de moins de 10 salariés, c'est rétroactif au 1er janvier 2020. Donc, si vous avez engagé des dépenses pendant la phase de confinement, notamment par rapport à ça, donc ça peut être éligible et donc pris en compte par les financements de la région. Donc, ça peut toucher à la fois la mise en place d'un site e-commerce, une optimisation de site e-commerce, l'achat ou le fait de prendre un abonnement, on verra, à différentes plateformes qui permettent en fait de faire du click and collect, de la vente en ligne, d'assurer des services de livraison, ou des dépenses qui peuvent être liées à votre visibilité. Est-ce que vous avez besoin de mettre en place des campagnes de publicité sur Google ou sur Facebook? Est-ce que vous avez besoin de développer votre visibilité en faisant appel à un photographe professionnel ou faire une virtuel 360 degrés de votre entreprise ou de votre commerce? Sont des dépenses qui sont éligibles à cette aide. Je ne vais pas m'étendre trop sur les aides, on va passer vraiment sur les solutions plus concrètes. Donc, je rappelle, j'achète dans ma région et je vous incite à aller vous inscrire pour intégrer cet annuaire régional des entreprises qui proposent des solutions de vente en ligne ou du click and collect, des services donc à leurs clients. Alors, première chose, premier constat et point de départ. Google est un élément crucial de la visibilité d'un site e-commerce et plus globalement d'un site internet. Au jour d'aujourd'hui, en France, on est des fans de Google. Bon, il n'y a pas de pays au monde qui utilise plus Google que la France. Même les États-Unis ont des proportions, des parts de marché plus faibles pour Google. 93% des recherches d'informations en France se font au niveau des moteurs de recherche par Google. Alors pourquoi pour un commerce local, hein, assurer la présence, et on va voir notamment un outil qui s'appelle Google My Business. Parce que les gens, donc vos clients potentiels, utilisent énormément la recherche d'informations. Il y a 46% des recherches d'informations globales sur Google qui ont des recherches d'informations qui touchent aux informations locales, que ce soit des commerces de proximité ou plus globalement de l'information locale. Et ce qui est hyper important, c'est que ces recherches, elles augmentent énormément. Il y a 900% de croissance dans les 2 dernières années sur les recherches liées à de l'information locale. Ce n'est pas lié à que de l'information touristique, mais aussi à des informations pratiques sur l'ouverture de mon boulanger ou d'un commerce qui est près de chez moi. Donc, il est hyper important d'être présent donc, du coup, sur la toile, et on va voir comment. Alors, un premier outil qui est très simple, c'est Google My Business. Google My Business, c'est une sorte de mini-site gratuit proposé par Google et que vous allez pouvoir faire en complète autonomie. Ce mini-site, en fait, permet de créer une sorte de fiche sur Google, qui a un intérêt majeur, c'est qu'elle va être présentée en premier résultat qu'une requête, une recherche d'information sur le moteur de recherche qui intègre le nom de votre commerce ou de votre société. Donc, du coup, assurer via Google My Business une présence en numéro 1 et du coup donner à vos clients potentiels les informations qu'il attend. Il attend quoi? Ben, des informations liées à vos coordonnées, comment vous contacter, de la géolocalisation, des photos liées à votre commerce et vos produits, des possibilités donc d'échanger avec vous,
de prendre une réservation, par exemple, si on parle d'un restaurant. Donc, il attend différents services. Et ce Google My Business va vous permettre de le faire. Donc, il suffit de s'inscrire sur Google My Business et donc, du coup, d'assurer une visibilité. Un point qui est important, c'est que si vous apparaissez du coup en premier résultat, vous allez apparaître devant des résultats qui sont, on va dire administratifs. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous n'avez pas de site internet au jour d'aujourd'hui, votre société n'a pas de site internet, pas de site e-commerce, les premiers résultats qui vont apparaître vont être des résultats du type résultats de société.com ou d'infogreffe ou d'annuaires plus ou moins farfelus, donc et qui contiennent donc du coup des informations qui n'intéressent pas vraiment vos clients. Ce qui intéresse vos clients, c'est des informations pratiques. Et du coup, Google My Business vous permet d'assurer une première position, d'orienter la recherche et le clic de vos clients sur cette fiche et d'accéder à des informations. Alors là, en l'occurrence, j'ai fait une recherche avec le terme Lapicius, qui est un nom de restaurant, mais qui est un nom de restaurant qui existe aussi bien à Paris qu'à Clermont-Ferrand et dans d'autres endroits. Google intègre aussi ma géolocalisation, de quel IP, de quel endroit je fais cette recherche d'informations, et va me présenter également en fonction de mes recherches antérieures, la fiche concernant le restaurant Lapicius à Clermont-Ferrand. Donc cette fiche, ce qui est intéressant, si on prend un autre exemple avec la brasserie Georges qui est à Lyon, c'est qu'on va avoir pas mal d'informations. On va évidemment avoir le numéro de téléphone pour prendre les réservations. On va savoir s'ils proposent des repas sur place, de la vente à emporter, des services de livraison. On va pouvoir cliquer sur un bouton qui s'appelle site web et accéder au site internet de la structure, hein, du restaurant. On va avoir un itinéraire, on va avoir différentes fonctions. On va avoir un plan de géolocalisation et quand on arrive dans une nouvelle ville où on ne connaît pas le commerce, même si c'est dans sa région, il est important de pouvoir le géolocaliser facilement. Un point qui est important, c'est que vous allez également avoir des avis. Donc, le système Google My Business intègre un système d'avis et qui permet aux clients de donner un avis et vous d'échanger avec eux sous forme aussi de questions-réponses ou de réponses à un avis. Et ces éléments sont très importants parce que quand quelqu'un ne connaît pas un commerce, un restaurant, un fleuriste ou n'importe quelle entreprise, il se fait un avis également par rapport aux avis des autres clients. Et là, quand vous arrivez, par exemple, vous n'êtes pas lyonnais, vous arrivez sur Lyon, vous cherchez une brasserie, un endroit pour manger le soir, vous arrivez sur une fiche qui a 10 845 avis. Tout de suite, ça vous rassure, surtout que le scoring est très bon, 4,3 sur 5, et vous allez pouvoir accéder aux avis en cliquant dessus et en visualisant sur la partie gauche de l'écran. Donc ça, c'est un point qui est important. Cette fiche, elle doit contenir toutes les informations utiles pour rassurer le client. Et l'objectif, c'est de lui faire faire des actions derrière, éventuellement. C'est-à-dire que si vous êtes un restaurant, d'intégrer un bouton réserver une table et du coup de relayer éventuellement les systèmes de réservation en ligne que vous avez pu mettre en place avec la fourchette, avec ZenChef, avec d'autres opérateurs. Et du coup de pouvoir choisir à quelle heure on choisit un créneau. Ces éléments, en fait, aussi, ça vous permet donc ces avis clients sont très importants dans le classement de la fiche Google My Business. Et pour avoir des avis clients, vous allez aussi pouvoir relancer vos clients et leur demander un avis. Et donc, du coup, faire un petit mail avec un lien qui permet en fait de déposer un avis sur Google, des avis Google ou sur d'autres plateformes type TripAdvisor. Donc, du coup, vous allez pouvoir être proactif en fait pour générer un maximum d'avis. Et du coup, l'objectif, c'est d'avoir un maximum d'avis qui soit positif pour rassurer de futurs clients qui, en arrivant sur la fiche Google My Business, en cherchant par exemple un restaurant ou un commerce ou une entreprise, doivent rassurer et vous contactent pour avoir un devis ou réserver une table. Il faut savoir, c'est que Google My Business intègre une fonction qu'on appelle Google Maps, qui est de la cartographie. De la cartographie, donc de la géolocalisation. Et l'idée, c'est que quand on fait une recherche d'informations, là j'ai fait une recherche par exemple traiteur asiatique, le Google Maps va faire une recherche donc de proximité en intégrant en fait les données de géolocalisation d'où je me trouve pour faire cette recherche d'information. Que je fasse cette recherche sur un mobile ou un ordinateur. Et il va prendre en compte différents critères. Il va prendre en compte évidemment la pertinence, donc l'adéquation du résultat, donc du commerce que je recherche avec ma recherche d'information. Si je cherche traiteur asiatique, évidemment, il faut que les résultats relèvent de traiteur asiatique. Il va prendre en compte également une notion de distance. Google sait exactement où vous êtes situé, où géolocalise, et donc du coup est capable de calculer des distances. Et donc, c'est un paramètre
dans le système de classement qui est intégré dans Google Maps pour présenter des commerces de proximité. Et également un critère qu'on appelle l'importance. Alors l'importance, c'est un critère un peu multifactoriel qui intègre des notions de notoriété. Plus vous êtes connu, entre guillemets, pour Google, donc ça veut dire plus vous avez de sites qui parlent de vous, de réseaux sociaux qui parlent de vous, plus vous êtes également visible sur la toile, plus vous avez un ranking intéressant, un classement intéressant, et plus vous avez des avis clients, donc c'est ce qu'on voyait avant, la possibilité d'avoir des avis clients, tous ces facteurs, en fait, et des avis clients positifs, intègrent le critère d'importance, et donc du coup, c'est cette combinaison de facteurs qui va faire que vous allez ressortir au niveau des résultats de proximité quand on fait une recherche d'information. Alors donc du coup, c'est important de l'intégrer parce que ça veut dire que les avis clients sont un élément hyper important pour ce facteur importance. Il n'y a pas que la pertinence, donc l'adéquation de la spécialité de votre commerce ou de votre entreprise avec la recherche d'information de l'internaute, il y a d'autres facteurs et vous pouvez avoir des commerces plus proches du client qui fait une recherche d'information, mais qui n'apparaîtront pas dans les résultats parce qu'ils seront considérés comme moins importants, parce qu'ils seront pas assez visibles sur la toile ou sur les réseaux sociaux. Donc du coup, pour intégrer et être très visible au niveau de Google Maps et des résultats de Google en général, il faut intégrer ces dimensions-là. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce service, vous allez vous connecter sur donc Google My Business. Je vais taper Google My Business dans n'importe quel moteur de recherche et vous allez arriver sur un site internet qui vous permet de vous inscrire. Vous allez faire une inscription en ligne très facilement et vous demandez le nom de la société, le SIRET, l'adresse, enfin toutes les informations très utiles. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Google doit valider que vous êtes un vrai commerce ou une vraie entreprise qui existe à cette adresse-là. Elle ne donne pas la possibilité de créer des entreprises virtuelles et sans une vraie géolocalisation et une adresse. Donc, ça veut dire que vous, en tant qu'entreprise, vous allez recevoir en fait un document par voie postale qui va vous permettre en fait de vous inscrire et de vous connecter et donc finir votre inscription. Alors, c'est une petite voilà, une sorte de petite carte postale. Je vous la présente à l'écran qui intègre un code. Et ce code-là, il sera rentré en fait pour finaliser l'inscription en ligne au niveau de Google My Business. Donc du coup, 4-5 jours après votre inscription en ligne, il faudra surveiller votre boîte aux lettres pour récupérer cette carte, intégrer le code et le saisir en ligne pour finir votre inscription. Si je récapitule, c'est important pour votre commerce et votre entreprise d'être visible. Pour ça, il faut remplir sa fiche à 100%. Donc ça veut dire choisir notamment la bonne catégorie de classement de votre commerce pour aider Google à vous remonter dans les résultats et vous présenter sur les recherches locales notamment et sur Google Maps. Il faut donc valider son établissement en rentrant le code. Il faut intégrer des photos de qualité. Plus vous aurez des photos de qualité, plus vous donnerez envie en fait à des clients potentiels qui verront votre fiche de venir dans votre commerce. Et c'est le but du jeu. Vous pouvez proposer des visites virtuelles. Alors, Google propose un service de visite virtuelle en 360 degrés pour permettre de visiter quelque part ou votre commerce ou votre entreprise et donner envie aux gens de venir avoir plus d'informations sur votre savoir-faire ou vos produits et donc du coup les inciter à venir en magasin. Donc là, Google a une batterie de photographes référencés et une visite virtuelle, ça vaut aux alentours de 400 euros et ça peut être quelque chose qui est pris en compte dans l'aide Mon commerce en ligne pour vous aider à aller vers l'e-commerce. Évidemment, il faut mettre vos horaires à jour et vos jours exceptionnels d'ouverture ou de fermeture. Imaginons que vous ouvriez les dimanches de décembre avec les fêtes de Noël. Il est important de le mettre en place parce qu'il n'y a rien de plus frustrant et les gens vont se déplacer aussi parce qu'ils vont faire une recherche d'informations. Ils vont arriver sur votre page Google My Business. Ils voient que vous êtes ouvert. Et bien, ils vont faire la démarche de venir vous voir. Si ce n'est pas affiché que vous êtes ouvert, peut-être qu'ils iront ailleurs. Donc, actualisez votre fiche. Et évidemment, si vous avez plusieurs commerces à plusieurs adresses différentes, une adresse égale une fiche Google My Business pour chacun des commerces. Vous allez également pouvoir animer cette page Google My Business en publiant des posts et en donnant des informations sur des événements auxquels vous participez. Vous organisez une journée porte ouverte, vous participez à des salons, vous avez plein de choses à relayer. Et plus vous communiquerez d'informations, plus ce sera utile pour les clients. Plus vous aurez un trafic aussi et une venue en magasin de par votre visibilité sur Internet.
et également de communiquer sur différents services. Si vous proposez du click and collect, de la livraison, de la réservation, vous avez des attributs dans la fiche Google My Business que vous pouvez en fait paramétrer et du coup indiquer à vos clients que vous leur proposez ces services-là. Un point important, c'est répondre aux avis clients et aux questions. Si les clients en fait interagissent avec vous, vous donnent un avis, qu'il soit négatif ou positif, il faut répondre. Et du coup, vous allez rassurer de futurs clients qui arriveront sur votre fiche. Et du coup, de par les réponses, se feront un avis positif de votre commerce ou de votre entreprise. Un autre point, c'est WhatsApp Business. Au jour d'aujourd'hui, le mobile est fondamental dans nos vies et la plupart des gens passent énormément de temps sur les mobiles et notamment pour la recherche d'informations. Le fait que les gens utilisent de plus en plus le mobile et c'est pas prêt de s'arrêter, il y a un service comme WhatsApp qui est un service de messagerie et que vous allez pouvoir utiliser. WhatsApp Business, donc WhatsApp a développé un service pour les entreprises qui s'appelle WhatsApp Business. Ce service vous permet en fait de créer votre fiche quelque part entreprise et de générer un QR code. Un QR code, c'est cette sorte d'image qui pourrait être flashée par un smartphone et qui fait un lien quelque part avec un site internet ou avec une fiche correspondant au commerce. Vous, en l'occurrence, là, l'idée, c'est de partager en fait ce QR code en l'affichant sur votre vitrine, en l'imprimant sur des flyers, des prospectus, sur votre carte, sur différents éléments, et du coup de créer une façon de vous connecter, donc de connecter le commerce avec ses clients et du coup de pouvoir échanger par messagerie et du coup pourquoi pas pouvoir autoriser une forme de prise de commande en interagissant avec des clients réguliers qui sont en lien avec votre commerce ou avec votre entreprise. Donc ça, c'est une possibilité. Il faut savoir, c'est que WhatsApp est en train d'intégrer des paiements sécurisés et donc du coup on va arriver sur un développement d'une application comme WeChat en Chine. En Asie, ils utilisent énormément le smartphone, donc le téléphone portable, pour faire des achats. C'est vraiment intégré complètement dans les mœurs au quotidien. Et du coup, via des services de messagerie, ils achètent très, très fréquemment. Et le service le plus connu là-bas s'appelle WeChat, qui est l'équivalent de WhatsApp en version, mais qui intègre jusque le paiement sécurisé. Alors, le click and collect, dans les enjeux que peut toucher votre commerce, votre entreprise, il y a la possibilité et l'opportunité d'interagir différemment avec vos clients et leur proposer un nouveau service qui est d'acheter en ligne et de venir récupérer la commande dans votre boutique ou dans votre entreprise. Donc, on va voir différentes façons de mettre en place un service de click and collect, des choses qui sont assez artisanales et gratuites jusqu'à des solutions payantes, mais très, très professionnelles. Donc déjà, le click and collect, qu'est-ce que c'est? C'est de l'achat en ligne, c'est de l'e-commerce quelque part, et du retrait en magasin. Donc vous ne perdez pas le lien avec le client final. Ça suppose évidemment de proposer un stock en temps réel, parce qu'à partir du moment où on vend en ligne, il faut que le produit soit disponible lors de l'achat. Ça nécessite aussi des modalités de retour simplifiées et ne pas oublier qu'on est dans une législation liée à l'e-commerce. Et du coup, il y a les délais de rétractation des clients de 14 jours qui va s'appliquer et qui peut s'appliquer. C'est quelque chose à prendre en compte de nouveau pour vous, peut-être si vous êtes commerçant, on va dire physique, c'est d'intégrer cette possibilité que le client se rétracte parce qu'il a fait un achat en ligne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que 56% des Français font des recherches sur leur téléphone portable avant de se déplacer et ou avant d'acheter un produit. Ça veut dire, avant de faire un achat en ligne e-commerce ou même un achat en magasin, dans un cas sur deux, en fait, votre client aura fait une recherche d'informations. Donc, du coup, on a de plus en plus des clients avertis qui font des recherches d'informations, mais ça suppose, pour qu'ils viennent dans votre boutique, d'être visible en ligne. Donc, du coup, d'avoir un site et une vitrine e-commerce. Autre point. Quand on regarde en fait les commerçants qui ont mis en place en fait de l'e-commerce, et en fait ils ont constaté que dans 42% des cas, il y avait des nouveaux clients qui arrivaient donc au magasin parce qu'ils étaient arrivés par le site internet. Ces nouveaux clients peuvent être des clients de la zone de chalandise habituelle de votre boutique ou de votre entreprise, mais également de plus loin, on se rend compte que voilà, on recrute du coup de nouveaux clients. Vos clients habituels et qu'ils soient dans votre zone de chalandise ou hors zone grâce à la visibilité en ligne. Alors, pourquoi faire du click and collect? Bon, évidemment, pour les commerces qui sont fermés, c'est de continuer à vendre et assurer un certain chiffre d'affaires. Pour des clients,
on va dire pour un temps plus usuel et classique, c'est d'élargir vos clientèles et de leur proposer de nouvelles façons d'acheter, une nouvelle relation client avec l'e-commerce. Bien évidemment, c'est également dans ces temps de Covid d'assurer une sécurité sanitaire. Si vous mettez en place du click and collect avec un point de collecte séparé de la banque classique ou sécurisé avec une vitre en plexiglas, en fait, vous assurez une certaine sécurité sanitaire, voire vous pouvez leur proposer aussi des plages horaires de retrait de commandes et donc du coup assurer un certain service. Ça vous permet donc du coup d'éviter les contacts, donc de rassurer les gens. Et il n'y a pas que les personnes âgées qui au jour d'aujourd'hui sont dans une phase de peur hein, parfois et se freinent en fait dans le fait d'aller dans les commerces par rapport au fait de pouvoir être contaminé. Donc plus vous pouvez rassurer vos clients, plus vous avez des chances qu'ils achètent chez vous, éventuellement qu'ils viennent en magasin. Donc, ce qui est intéressant, le click and collect, c'est un paiement aussi effectué à l'avance, un paiement en ligne et un retrait en boutique. Et ce qui est important également dans cette phase où les commerçants ont un nombre de personnes maximum en fonction de la surface de leur magasin, respecter les contraintes législatives, et bien du coup, ça permet en fait de gérer ça et du coup d'organiser avec des horaires de collecte, par exemple, les flux pour essayer de ne pas avoir des pics à certains moments et du coup de ne voir refuser des personnes dans votre boutique parce qu'il y aurait trop de personnes au mètre carré. Donc évidemment, essayer de limiter aussi les files d'attente. Si on prend l'exemple des restaurateurs, c'est bien que à la fois quand il y a du monde dans un restaurant, ça donne envie à certaines personnes de venir, elles se disent ça doit être bon. Mais d'un autre côté, s'il y a une file d'attente trop longue, les gens souvent vont ailleurs et donc du coup on perd des clients. Donc gérer cet aspect-là, c'est important. Alors, pourquoi faire du click and collect? Un autre point qui est important, c'est que quand on regarde les statistiques de l'e-commerce, hein, il y a une fédération qui s'appelle la FEVAD, qui regroupe tout ce qui est la VPC et l'e-commerce, on se rend compte que dans 28% des cas, des gens qui viennent en magasin, en fait, retirer une commande, que ce soit en point relais ou dans le commerce dans lequel ils ont acheté quelque chose, dans 28% des cas, les gens, en fait, font des commandes complémentaires. Donc, c'est des ventes additionnelles pour le commerçant. Donc, du coup, il n'y a pas un antagonisme entre l'e-commerce et du magasin. Au contraire, à vous de jouer votre rôle de commerçant et de nouer une relation avec le client qui vient en boutique pour faire un retrait de commande et de pouvoir lui proposer d'autres éléments. On va voir comment faire ce click and collect. Alors, le système le plus simple, hein, c'est un système, enfin, le plus simple, le plus artisanal, ça va être de détourner un système de formulaire en ligne qui est gratuit. Il existe plein de systèmes qui permettent de créer des formulaires qui, en général, sont des systèmes pour faire des études de marché ou recueillir la satisfaction de vos clients. Là, vous allez le détourner pour en faire un système de prise de commande. Donc, il y a plusieurs systèmes. Il y a Google Forms, Drag and Survey, SurveyMonkey. Et là, je vous propose, par exemple, de regarder avec Google Forms parce que c'est gratuit. Donc, il suffit de taper Google Forms dans n'importe quel moteur de recherche et vous allez accéder à la page de Google. Ce Google Form, vous allez avoir une sorte de formulaire que vous allez pouvoir paramétrer pour le détourner et en faire un système de prise de commande. Alors là, j'ai pris un exemple simple. C'est une boutique qui fait de la vente à emporter à Clermont-Ferrand, qui a juste une page Facebook. Ils n'ont pas de site internet, ils n'ont pas de site e-commerce, ils n'ont pas de système de click and collect. Donc l'idée, c'est que Gutu, ça s'appelle, ils ont une page Facebook. Je suis allé chercher un visuel sur leur page et j'ai copié leur petite présentation sur leur page Facebook. Les formulaires, donc juste un copier-coller hein, et ça donne ça. Après, je vais définir les champs dont j'ai besoin pour prendre la commande. J'ai besoin du nom de la personne, de son adresse, de son numéro de mobile, son adresse email. Bon. Voilà, des choses administratives où je demande de remplir pour prendre la commande. Et je vais choisir, par exemple, de proposer des horaires ou des créneaux horaires de récupération de la commande dans le magasin. Là, j'ai choisi différentes options, 11h45, 12h15. Donc là, on sélectionne case à cocher et on définit le nombre de cases qu'on souhaite et on met le texte qu'on veut à côté. Ça pourrait être complètement autre chose. Et puis après, je vais avoir des champs je vais dire, tiens, ça va être mes champs produits. Donc là, je vais définir trois offres dans le menu du jour, du 26 novembre, hein, hot dog américain et des frites avec un prix, je prends la photo, hein, je suis allé chercher les photos sur la page Facebook, et j'ai dit, tiens, dans le système, le formulaire, je choisis des cases à cocher, et j'en achète un, j'en achète deux, bon,
C'est moi qui ai rentré le texte. Hein, j'aurais pu mettre un produit hein, ou un hot dog américain plus frites, deux hot dogs américains plus frites. On choisit case à cocher et on met le texte qu'on se veut à côté. On fait ça pour les trois offres. Et donc, avec la capacité, donc, du coup, d'envoyer sa commande. Donc, l'idée, c'est qu'à la fin, une fois qu'on a ce formulaire de prise de commande, on puisse le diffuser à ses clients, aux gens qui viennent habituellement dans votre commerce et qu'eux-mêmes puissent derrière le retransférer à d'autres amis. Et donc, du coup, que vous touchiez une sorte de bouche à oreille virtuelle, un grand nombre de personnes. Donc, une fois que vous avez ce formulaire, le système permet d'obtenir un lien. Vous cliquez sur obtenir un lien et ça va vous générer une URL, donc l'URL de votre système de prise de commande en ligne. Cette URL, vous avez vu, elle est un peu longue, pas très, très mémorisable. Vous avez des outils comme bit.ly, hein, qui sont des outils gratuits en ligne. C'est-à-dire que vous avez un service, vous connectez sur cette page Internet et vous rentrez l'URL et il va la raccourcir automatiquement et faire un lien entre cette URL raccourcie et l'URL originelle. Une fois que vous avez ce lien, bon, c'est très bien. Déjà, on peut le diffuser, on peut en faire différentes choses. On peut l'envoyer dans des SMS, on peut l'envoyer par email, on fait de l'emailing pour, en fait, avertir ses clients qu'on propose un système de prise de commande en ligne. On peut également convertir ce lien qu'on a vu tout à l'heure dans une image, un QR code qui permettra du coup à vos clients de le flasher et du coup d'accéder directement en fait au formulaire sans avoir à taper le lien simplement avec le QR code. Et ce QR code, vous pouvez après le mettre sur vos flyers, sur votre vitrine, à différents endroits pour communiquer sur le fait que vous proposez un système de commande en ligne. On va voir d'autres systèmes plus, on va dire, un peu plus complexes et un peu plus aboutis, un peu moins artisanaux. On va voir qu'il y a des systèmes qui permettent de le faire de façon un peu générique et après on va voir des systèmes spécialisés et qu'est-ce qu'ils proposent. Donc il y a des services aujourd'hui en ligne sans installation de logiciel qui permettent en fait de créer des systèmes de click and collect, mais plus globalement des systèmes de vente en ligne, d'e-commerce, assez facilement et sans investissement. Et ça, c'est l'intérêt. Alors, un premier exemple, c'est SumUp. Pour ceux qui ont des terminaux de paiement et un terminal de paiement SumUp, SumUp propose une fonction eShop qui permet en fait de créer gratuitement une sorte de mini-boutique liée à votre commerce, donc avec des catégories, des produits, des offres, des prix, et du coup de proposer cette possibilité d'acheter en ligne. Et du coup, que ce soit sur smartphone ou sur PC. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que ceux qui ont SumUp, quelle que soit l'offre, ben vous pouvez en fait facilement créer une boutique de vente en ligne et la connecter à votre nom de domaine ou au nom de votre commerce. Autre solution, donc l'idée, c'est qu'à la fin, d'avoir une solution très très professionnelle et d'avoir des paiements sécurisés. Et ça, c'est le métier premier de SumUp. Alors évidemment, la création de la boutique, tout ça va être gratuit. Par contre, ils font payer, en fait, bon, si jamais vous n'avez pas de terminal de paiement, ils font payer le terminal de paiement et ils vont prendre une commission, en fait, sur vos ventes pour assurer les paiements sécurisés, 1,75%. On va voir d'autres solutions. Alors, je vais montrer une solution comme Stiddle pour voir différentes fonctions et voir ce qu'elles permettent de proposer. Donc, c'est une solution, pareil, qu'on appelle SaaS, donc ça veut dire sur abonnement. On va dire, vous vous abonnez à une plateforme qui vous permet en fait de créer quelque part votre site internet, votre site mobile, votre système de collecte, votre système de livraison, enfin tout intégré. Et on va voir ces différents services. Donc là, Speedle est très spécialisé dans les métiers de bouche. Hein, on voit des food trucks, des pizzerias, des boulangeries, des restaurants, des traiteurs. Mais après, il y a d'autres solutions pour tout type de commerce. Ce qui est intéressant, c'est que ces systèmes-là, ils vont vous permettre, un, de créer votre catalogue. Dire quels sont les produits que vous souhaitez vendre en ligne et de le structurer votre catalogue en fonction des thématiques de produits. Évidemment, derrière, il va permettre de prendre des commandes. C'est l'objectif, c'est de pouvoir prendre des commandes. Il va permettre d'intégrer des paiements sécurisés. Donc, ce type de solution, ce qui est intéressant, c'est qu'elles travaillent avec différentes sociétés, alors là on voit par exemple PayGreen, mais ça peut être Stripe, ça peut être PayPal, ça peut être différents systèmes qui permettent d'assurer la prise donc de paiement dans les différents réseaux de cartes bleues, hein, que ce soit du Mastercard, du Visa, de l'American Express, mais aussi d'autres modes de paiement.
notamment les chèques restaurants dématérialisés. Bon, ben, vous avez un client qui a une carte, je sais pas, Sodexo de chèques restaurants dématérialisés, et bien, il va pouvoir payer avec ce système-là. Troisième point, évidemment, c'est que vous ayez toutes les informations qui redescendent pour que vous puissiez préparer la commande. Et donc, du coup, d'intégrer ça dans votre préparation de commande très facilement. Ça va permettre d'imprimer un ticket et ça va permettre aussi de proposer du retrait et la livraison. Donc, du retrait en magasin, mais aussi éventuellement un système de livraison, soit opéré par vous-même, soit par un partenaire, soit par des plateformes type Uber Eats ou Deliveroo ou d'autres. Alors, les bonnes raisons d'utiliser un outil comme Speedle, on va en voir d'autres, hein. Il y a Dood, il y a Rapidle, il y a différentes plateformes en fait. C'est déjà un de proposer un service avec plus de modernité et de proximité avec le client. C'est une nouvelle façon d'acheter pour le client, de gagner du temps pour lui souvent et de sécuriser son achat et donc vous lui assurez cette fonction-là. Évidemment, réduire votre file d'attente. Ce qui est important, c'est que ben, des gens qui, notamment par rapport à des points de restauration, voilà, ils commandent en ligne, c'est simple, on voit les offres du jour, les plats du jour, ou si c'est un fleuriste, les bouquets de la semaine, on va vite choisir, sélectionner, on sélectionne le créneau auquel on veut venir récupérer le bouquet. On sait qu'on va pas faire la queue, qu'on va pas attendre, et c'est simple. Troisième point, diminuer les appels téléphoniques entrants. Alors, si on prend les points de restauration, avoir des appels pour des réservations au moment du repas, c'est très bien, mais vous avez plein d'autres choses à faire au moment du service. Là, ça permet en fait de diminuer les appels entrants en prenant en fait les commandes et le click and collect ou les réservations par cet intermédiaire. Vous allez augmenter le panier moyen aussi des commandes. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans 22% des cas, on constate que, enfin, on constate plus exactement qu'il y a une augmentation de 22% du panier moyen avec de la commande en ligne, on va dire dématérialisée, facilitée, fluidifiée, et notamment sur smartphone, avec ce type d'application. Vous allez avoir un fichier client, du coup, qui sera à jour, parce que les gens vont devoir se connecter, donc vous allez récupérer tout un tas d'informations clients, donc, qui vont être très utiles pour vous, pour les alerter sur des promotions, pour les inviter à un événement, pour faire différentes choses. Et du coup, vous allez pouvoir aussi gérer une carte de fidélité, l'objectif étant de fidéliser les clients, faire qu'ils reviennent et qu'ils achètent plus souvent chez vous, quel que soit le produit ou service que vous vendez. Gérer des promotions commerciales, voilà, des ventes privées, enfin, on peut imaginer plein de choses, hein, des opérations ponctuelles, donc, plein de choses. Et évidemment, paiement sécurisé. À la fin des fins, le client, en fait, il faut qu'il soit sécure sur le fait de pouvoir acheter en ligne, tout se passe bien. Et donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ces plateformes, en fait, elles vous permettent d'accéder à tout type de solutions de paiement sécurisées et du coup, que ce soit simple pour l'utilisateur. Alors, on va prendre un exemple très concret, hein, le cas du jardin de ligne. Ben c'est le jardin de ligne, c'est un point de snacking, de restauration qui est à Saint-Priest, en Lyonnaise. Et donc, c'est un point très, très classique. Donc, ils ont pris Speedle, c'est un exemple. Et donc, ils l'ont personnalisé en fonction de leur couleur, de leur logo, différentes choses. On voit que quand on arrive sur le site en ligne, par exemple, sur le site Internet, on arrive sur quelque chose de très propre. Derrière, on va avoir un rubriquage en fonction des catégories qu'ils proposent. Et on voit bien que c'est un point de snacking, hein. C'est des quiches, des pizzas, des soupes, des boissons. Donc, c'est vraiment des choses très simples. Donc, ils ont créé des fiches. Alors, évidemment, quand on est en e-commerce, on achète sur photo. Donc, il faut essayer que les photos soient les plus sympas possibles pour qu'elles donnent envie d'acheter le produit, ou le service. Donc là, on voit qu'il y a un certain nombre de photos. Bon, ils sont pas trop tracassés sur les descriptifs, les ingrédients qui composent les différents éléments, hein, ils ont juste mis un titre, ils ont fait au plus simple. Il n'empêche que ça marche et quand on clique sur les différentes offres, on remplit un panier, là en l'occurrence j'ai fait trois sélections, et on pourra passer commande. Et derrière, on va pouvoir aussi choisir un mode de livraison. Soit je choisis d'aller retirer l'offre dans leur boutique, hein, qui est dans la grande rue à Saint-Priest, soit ils ont fait des accords avec des différents commerçants en fait de l'agglomération, pour pouvoir en fait déposer des commandes dans ces points-là et du coup de proposer à leurs clients une livraison, une récupération des commandes dans des points de retrait. Et là, il y a 5 points de retrait qui sont proposés. Donc ça, c'est géré par l'outil. Donc évidemment, on aura un système de récapitulatif de commandes avec du ticket, etc. Donc voilà, l'idée, c'est d'arriver sur des systèmes. Alors là, Rapidel, c'est un autre. On est à 59 € par mois. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas d'investissement de départ.
Il n'y a pas de, il faut pas dépenser 4 000 euros pour faire un site et après avoir un abonnement, un hébergement, etc. Là, c'est des plateformes où tout est industrialisé, préfait quelque part, et vous aurez juste à personnaliser. Donc, du coup, ça peut être un cycle de développement qui peut aller de quelques heures à quelques jours pour avoir un service en place professionnel. Quelque part, le plus long là-dedans, c'est d'avoir les photos. Donc, du coup, aujourd'hui, les smartphones permettent déjà de faire des photos très sympas, mais du coup, ça nécessite du coup d'avoir des photos de chacun de vos plats ou produits pour les vendre en ligne sur ce type de système. Voilà, d'où c'est une autre offre, hein, c'est des régionaux, ils sont du Rhône, à 49 euros par mois, avec évidemment, transactions bancaires, intégration sur différents supports. Ça permet, par exemple, sur Doodd, de gérer une carte de restaurant digitale sur tablette ou sur smartphone. Et évidemment, Doodd permet de se connecter à votre logiciel de caisse. Et donc, en fonction des différentes offres, permet du coup de redescendre les commandes dans votre logiciel de caisse et de facturer à un seul endroit, et ainsi de suite. Il y a un autre outil qui s'appelle TestiCloud qui permet un peu le même service. Donc, le fondement derrière, c'est d'avoir à la fois un service de vente en ligne, du click and collect, de l'e-commerce, éventuellement du menu digital à proposer en restaurant. Vous êtes réouvert, les gens ils vont voilà passer des cartes, c'est pas forcément évident par rapport au coronavirus. Et du coup, pour avoir un système de QR code, la personne en fait a juste à flasher avec son smartphone le QR code et va afficher le menu digital sur son smartphone. Donc du coup, ça la rassure en termes des aspects sanitaires. Et donc du coup, ce type de solution intègre ces différentes dimensions. Voilà, plein de solutions et ça peut prendre vraiment que quelques minutes jusqu'à quelques heures. On va voir des prises de rendez-vous. Alors, un autre point que je vais voir avec vous, c'est la prise de rendez-vous. Alors, le plus simple, c'est d'intégrer un système de prise de rendez-vous sur une page Facebook. Et cette dame qui est une esthéticienne, voilà, à partir du moment où on envoie un message, c'est considéré comme prise de rendez-vous. Bon, c'est un peu archaïque. On peut proposer d'autres systèmes. Donc, on peut déjà proposer un système de réservation sur une page Facebook. Faut savoir, c'est qu'une page Facebook, il y a la page Facebook personnelle et une page Facebook entreprise. Il faut absolument que pour votre commerce, vous ayez une page Facebook entreprise parce que non seulement ça va séparer la vie privée de la vie professionnelle et ça permet surtout d'accéder à plein de services qui sont proposés pour les entreprises, dont des systèmes de réservation. Donc là, je vais prendre un exemple, c'est intégrer un bouton de réservation sur une page Facebook. Alors, je prends une page professionnelle. Là, j'ai pris un exemple d'une page d'un club de basket, mais c'est juste pour vous montrer le bouton. Voilà, c'est présent sur toutes les pages professionnelles, que vous soyez fleuriste, boucher ou n'importe quel soit le corps de métier de votre entreprise. Vous aurez un bouton, ajoutez un bouton. Vous cliquez sur le bouton et Facebook peut proposer des fonctions, en fait, des services. Est-ce que c'est pour gérer une carte cadeau? Est-ce que c'est pour gérer un système de réservation? Est-ce que c'est pour avoir un rappel automatique? Ou est-ce que c'est un système de prise de rendez-vous? Là, on va, en l'occurrence, on va choisir prendre un rendez-vous. Quand on clique sur prendre un rendez-vous, on va accéder sur un système d'agenda. Et cet agenda va vous permettre, en fait, de définir les plages horaires que vous voulez ouvrir à la réservation en ligne. Et en sachant que si vous avez plusieurs calendriers, vous pouvez gérer des calendriers différents et qui synchronisent des plusieurs calendriers. Et par exemple, là, avec Facebook, vous pouvez aussi avoir des calendriers qui se synchronisent avec vos autres calendriers. Donc, on voit que c'est assez simple et facilement. Donc, du coup, vous pouvez proposer de la prise de rendez-vous, même si vous n'avez pas encore de site Internet, à partir de votre page Facebook d'entreprise ou de boutique. Okay? Ce système de prise de rendez-vous, il y en a plein qui vont vouloir l'intégrer dans leur site Internet. Si vous êtes déjà un site Internet, vous voulez proposer ce système de prise de rendez-vous. Ce système de prise de rendez-vous, en fait, en fonction de la technologie ou la plateforme avec laquelle a été fait votre site Internet, il va avoir des modules qui sont différents. Donc, ça veut dire que si vous avez fait avec WordPress ou WooCommerce, PrestaShop ou d'autres technologies, vous allez pouvoir proposer ce système-là, mais le module est différent. Donc, il faut aller sur la marketplace de modules de la solution technique qui permet de faire votre site internet, d'administrer le contenu et choisir le module qui correspond, le module de gestion de calendrier qui correspond le mieux. Alors, il y en a des gratuits, il y en a des payants. Ça va dépendre en fait des services que vous allez voir proposer. C'est à vous de choisir le module ou de vous faire aider par votre agence. Alors, un autre système, vous allez pouvoir proposer un système sur votre site internet
en complète autonomie avec Google Calendar. Donc Google Calendar, c'est un outil qui est intégré dans la sphère Google et qui permet du coup de proposer de la prise de rendez-vous. Donc on tape Google Calendar dans un moteur de recherche où on va sur cette URL et on va créer un agenda. On va cliquer sur créer un agenda. Ou sur cette page-là, vous allez créer un agenda. Moi, j'ai plusieurs agendas, donc il me propose de créer un agenda avec un bouton plus. Une fois que vous avez créé cet agenda, vous allez le nommer, je l'appelle quelqu'un de collègue, vous allez avoir un descriptif, vous allez proposer différentes choses et vous allez du coup pouvoir paramétrer votre planning de réservation. Et ce planning, vous allez le gérer, vous allez avoir des vues journalières, hebdomadaires, mensuelles, vous gérez comme vous le souhaitez. Et surtout, ce qui est intéressant, vous allez pouvoir en fait proposer votre rythme de prise de rendez-vous, dire, bah, tiens, c'est le lundi matin de 9h à 11h, le mardi de 18h à 19h30, le jeudi matin, etc. Et du coup, de faire une sorte de, soit une semaine type et de la répliquer jusqu'à une date donnée, ou de paramétrer des journées type et de définir quand elles s'appliquent. Donc, du coup, de définir des modèles et du coup, de ne pas avoir à saisir toutes les dates juste pendant plusieurs mois, créneau par créneau. Donc, soit vous allez choisir une semaine type, de personnaliser une semaine et de définir différents éléments et de choisir les créneaux. Et puis après, à n'importe quel moment, vous pourrez rendre des créneaux, les mettre occupés ou disponibles. Et ce système de prise de rendez-vous en ligne peut synchroniser avec un autre calendrier. Et du coup, quand un créneau est pris sur un autre calendrier, ça va le rendre occupé, on va dire, sur ce calendrier de prise en ligne. Rendez-vous en ligne. Donc, vous allez pouvoir paramétrer votre semaine type. En l'occurrence, j'ai choisi de faire quelque chose de personnalisé. Je décide d'attribuer des créneaux, de choisir un premier créneau de, je n'importe quoi, de 8h30 à 9h15, ou là de 7h30, je sais pas quelle heure, et de l'appliquer le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi. Voilà. Je personnalise en cochant différents items. Donc là, il faut l'essayer, mais c'est très facile. Une fois que vous aurez créé votre système de prise de rendez-vous, vous pouvez être notifié par email ou d'autres moyens des prises de rendez-vous ou des changements sur un rendez-vous qui a été pris, une annulation, etc. Et vous allez pouvoir intégrer cet agenda sur un site internet. Donc, sur un site internet, en fait, le système va vous générer une sorte de code d'intégration que vous allez en fait intégrer dans une page en allant dans votre back office, en allant dans un module script et en choisissant la page dans laquelle vous souhaitez intégrer. Donc le calendrier, vous allez copier ce code, on va dire là, cette frame là, et ça va vous générer un calendrier que vous pouvez après personnaliser en termes de design. Autre point, c'est les livraisons. On a parlé de click and collect, de prise de rendez-vous. Ben, si vous faites de la vente en ligne, c'est de comment je livre mes clients. Alors, plein de solutions. Si vous êtes dans la restauration, il peut y avoir des plateformes de livraison, type Deliveroo, Uber Eats, Foodora ou d'autres, et en fait qui permettent de d'intégrer un service de livraison et du coup de faire assurer par ces livreurs la livraison à domicile donc des commandes. Si dans votre zone géographique, votre métropole, votre ville ou votre département, il y a une collectivité qui met en place une marketplace, une place de marché locale pour mettre en avant les commerçants locaux, et bien peut-être qu'ils ont décidé de mutualiser un service de livraison dans la plateforme et donc du coup de passer par ce service-là ou vous-même assurer des livraisons et également quand vous êtes dans e-commerce d'assurer en fait des livraisons via on va dire les réseaux classiques de transport de marchandises. C'est-à-dire qu'il y a des différentes offres hein, en fonction de si on est sur de la messagerie à moins 30 kilos, de l'express en livraison en moins de 24 heures, est-ce qu'on veut livrer en point relais, est-ce que bah, c'est du monocolis, est-ce que de l'international. Bon, on peut avoir différentes offres. Et donc, en fonction de vos besoins, donc d'expédier par ces différentes solutions. On peut avoir également de la livraison par ChronoFresh et sur de la respect de la chaîne du froid et des produits frais. Moi, j'ai un ami qui livre des bourriches d'huîtres via ces systèmes-là, donc de l'ostréiculteur au client final. Vous avez des systèmes de cartes cadeaux digitales. Alors, par exemple, je prends un exemple qui s'appelle Buybox. C'est des gens qui opèrent des systèmes de cartes cadeaux digitales pour des grands réseaux, hein, ça, Leclerc, etc., ou Galeries Lafayette, mais ça peut être accessible sur des fédérations ou des réseaux de commerce.
Moi, je l'ai déployé, par exemple, pour les talks d'Auvergne, où on a mis en place pour 60 restaurateurs un service de 4K de digital. Et ce qui permet, ce qui est intéressant, c'est que le service, quelque part, est gratuit à la mise en place. Ils vont se rémunérer en prenant 4% de commission sur les ventes. Donc, du coup, c'est proposer un service de carte cadeau. Là, il s'appelle Check Talk, en l'occurrence, c'est les talks d'Auvergne. Pour digitaliser ces cartes cadeaux, mais aussi d'avoir une version print, une version imprimable. Donc la carte cadeau, elle peut être à la fois digitale et physique. Et donc du coup, vous pouvez la vendre en boutique ou la vendre en ligne. Et du coup, proposer en ce temps de Noël un nouveau service. Donc, est-ce que ça peut être intéressant de se lancer dans la vente en ligne, même dans un temps difficile, même dans un temps où on est confiné? Bon, il y a des commerçants qui se sont lancés. Je vais prendre un exemple d'une boutique qui est une boutique de vêtements très traditionnelle, qui est à Genasse, hein, dans la banlieue lyonnaise. En temps normal, ils font 45 000, 50 000 euros de chiffre d'affaires mensuel. Bon, à l'arrêt, il a fallu qu'ils se réinventent. Ils ont décidé de développer avec un ami un site e-commerce. Et dans les trois premières semaines de confinement, ils ont fait 13 000 euros donc de chiffre d'affaires, ce qui correspond grosso modo à 20 000 euros en mensuel. Donc 20 000 euros versus 45 000 euros, on voit que c'est 40% à peu près leur chiffre d'affaires habituel. Mais il n'empêche que ces 40%-là, ils sont hyper importants et ils se sont rendus compte que ça leur a permis en fait de garder un lien avec leur clientèle, de faire acheter leur clientèle via un nouveau moyen qui était la vente en ligne et que le panier moyen était supérieur à celui qui était en boutique grâce à ça. Donc on voit même pour un commerce traditionnel, ça peut être intéressant en fait de lancer de la vente en ligne pour proposer un nouveau service à ses clients et qui doit perdurer après la réouverture et proposer de nouvelles offres à ses clients. Alors l'e-commerce se développe énormément. En 2019, c'était 11,6% de croissance. Il y a à peu près 202 000 sites e-commerce, hein, ça bouge tous les jours. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les sociétés françaises, donc, globalement, n'est pas très bon, hein, en digital. On est 16e sur 25 sur notre transformation digitale au niveau des palmarès européens. Et sur environ 3 millions de TPE-PME en France, il n'y en a que 7% qui font vraiment de la vente en ligne et de l'e-commerce. Donc voilà, il y a des leviers d'amélioration, d'optimisation sur cet aspect-là. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Amazon, il y a à peu près 250 000 vendeurs en France, donc ça s'appelle Marketplace, et il y a environ 20 000 vendeurs qui font plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Donc ça commence déjà à être sympa. Et donc il y a des vendeurs, en fait, des sociétés, une boutique physique et qui peuvent développer de la vente en ligne, soit sur leur propre site, soit sur des places de marché, Amazon étant un exemple parmi d'autres. Alors quand vous voulez faire un site internet, on va dire, je vais essayer de vous décrypter les éléments, il y a deux grands termes, CMS et SaaS. Alors, c'est des acronymes de termes anglo-saxons. CMS, c'est-à-dire Content Management System et Software as a Service pour SaaS. Ça veut juste dire, là, CMS, ça veut dire que vous avez besoin de télécharger un logiciel qui va vous permettre de construire votre boutique en ligne et après de l'administrer, donc de faire évoluer vos fiches produits, de changer le contenu, changer vos photos, etc. Donc là, c'est souvent un système type WordPress, Joomla ou d'autres technologies qui permettent de faire ça. Ça nécessite quand même quelques compétences en informatique pour le mettre en œuvre ou de l'aide de quelqu'un qui a la compétence, un prestataire ou quelqu'un de votre réseau. Et ça, c'est vraiment des plateformes en fait qui ont structuré des offres et l'idée, c'est que ça soit le plus simple et intuitif possible et que ça soit à la portée d'un non-informaticien de paramétrer tout ça. Donc, ça veut dire que quand vous voulez faire un site avec une solution de CMS, il faut intégrer, voilà, vous mettez en place le CMS, votre WordPress, votre WooCommerce, vous allez acheter un template, vous allez mettre en place un outil de statistique pour savoir combien de visiteurs viennent chez vous, vous allez héberger votre site, vous allez mettre du paiement sécurisé, choisir un mode de livraison ou de paiement sécurisé. Bon, plein de choses. Et donc, du coup, ça nécessite plein de fonctions et plein de modules et plein de développement éventuellement. Une plateforme, par exemple, si je prends l'exemple de Wheezyshop, hein, qui est une société française, il y a d'entrée de jeu 385 fonctions, c'est-à-dire que les paiements sécurisés, enfin, tout est déjà intégré et c'est vous qui paramétrez en cochant les fonctions dont vous avez besoin. À la fin, le bout du bout, c'est d'avoir les mêmes, voilà, d'avoir un rendu qui soit visuel et sympa et qui sécurise le client par son rendu professionnel. Ça doit sécuriser le client. Et proposer évidemment les bonnes solutions, à la fois de paiement sécurisé ou de livraison
pour le client. Donc, on a vu, voilà, il y a plein de solutions. Je vous ai parlé de quelques noms. Les places de marché. Alors, je vais terminer là-dessus. Les places de marché, en fait, c'est un moyen. Les places de marché, en fait, elles donnent la possibilité à des vendeurs tiers. Donc, je vais prendre un exemple, Cdiscount, que vous connaissez. Cdiscount vend des produits lui-même, mais donne la possibilité aussi à des sociétés comme les vôtres de venir vendre ces produits sur son site. C'est ça la notion de place de marché. Donc, il y en a des généralistes, des locales, on verra, et des verticales ou spécialisées. Il faut savoir, c'est que les places de marché, en fait, ça permet à des vendeurs tiers d'aller bénéficier de la notoriété d'une plateforme pour vendre ses produits. Alors, des places de marché, on va voir qu'il y en a, il y en a plein, hein, et c'est très important. Donc, l'idée, c'est la place de marché. Vous, vous êtes vendeur, vous êtes une entreprise, vous allez pouvoir, en fait, pousser votre catalogue, les produits que vous allez vendre sur la place de marché, trouver des clients, des acheteurs qui vont acheter sur la marketplace, et vous, quelque part, en échange, en fait, de l'argent, vous allez expédier le produit à vos clients. Ce qu'il faut savoir, c'est que le principe général, hein, on parle notamment des marketplaces généralistes, pas des marketplaces locales, c'est un abonnement, donc souvent aux alentours de 39 euros par mois, et une commission sur les ventes. Alors, cette commission, en général, varie en fonction de la thématique de votre commerce, est-ce que c'est des produits de la maison, est-ce que ce sont des produits high-tech, des livres, différentes. Il y a un taux qui va varier de 5% à 25-30% en fonction de la thématique. Souvent, à la fin, on arrive aux alentours de 15-20% de prix de vente. Mais ça dépend vraiment de la thématique. Si c'est des produits high-tech ou des livres, on va se rapprocher de 5%, parce qu'il y a peu de marge. Par contre, sur des produits, des vêtements, du textile de la maison, ou des produits de déco, on va plutôt être sur du 15-20%. Donc, c'est non négligeable. L'avantage, c'est que vous accédez à des millions de clients potentiels. Et donc, les clients, en fait, qui ont pris des habitudes d'achat sur ces places de marché. Alors, les places de marché généralistes, ou qui vendent un peu tout et n'importe quoi, c'est l'équivalent du supermarché dans le monde physique. Alors, Amazon, Cdiscount, vous avez entendu parler, mais il y en a d'autres que vous connaissez, hein, type Rakuten, eBay, etc. Également Google qui a transformé son comparateur de prix en marketplace. Et il y a des marketplaces spécialisés. Donc, c'est souvent des noms de structures que vous connaissez. Alors, il y en a qui sont vraiment pure en ligne, pure player sans magasin. Type Mano Mano dans l'univers du bricolage, du jardinage, ou La Redoute. Aujourd'hui, ils n'ont plus grand-chose en termes de catalogue physique et ils ont quelques boutiques, mais c'est vraiment marginal. Ils sont essentiellement en ligne. Mais après, vous avez aussi des acteurs traditionnels du retail qui développent le concept de marketplace. On parle par Maison du Monde récemment ou Leroy Merlin. Decathlon, par exemple, vient de lancer la marketplace en Belgique pour tester. Voilà, des métros, par exemple, vous devez connaître métro. Enfin bon. Donc, il y a énormément d'enseignes qui proposent, en fait, du concept de marketplace, donc qui peuvent vous donner la possibilité, en fait, de vendre vos produits sur ces places de marché, à condition d'être soit d'avoir des prix compétitifs, soit d'avoir une offre différenciante, et donc, du coup, d'accéder à un potentiel de clients gigantesque. Là, il faut faire attention au choix de sa marketplace, à son positionnement. Donc, est-ce que vous êtes compétitif sur les prix ou est-ce que vous êtes différenciant? Parce que vos produits, personne ne les a ou très peu de monde, et donc du coup, vous pouvez appliquer un prix élevé. Et évidemment, ça nécessite d'avoir des fiches produits de qualité, des visuels, de gérer vraiment vos frais, bien intégrer dans votre gestion les commissions des places de marché, mais aussi les frais de livraison. C'est un point qui est important. On a vu ces différents aspects. OK. On est à peu près dans le timing, donc j'ai respecté l'horaire. Ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à vos différentes questions, voilà, d'échanger avec vous sur l'e-commerce au sens large, essayer de répondre de façon la plus précise possible aux questions que vous pouvez avoir. Donc je vous propose qu'on passe à cette partie-là. Est-ce qu'il y a des questions déjà? Bonjour. Oui, vous m'entendez? Oui? Ok. Donc je vais relayer les premières questions. Pendant ce temps-là, vous pouvez continuer à poser des questions en ligne. On n'en a pas beaucoup, donc via le chat. Alors le chat, je sais pas si on l'a dit, c'est le petit bouton fenêtre à droite, en haut à droite, la petite fenêtre bleue. Voilà. Donc une remarque, les applis clique et collecte sont très orientées resto.
C'est vrai. Donc, quid pour les artisans, pour les artisans d'art, voilà. Alors oui, effectivement, je l'ai peut-être un peu trop centré, c'est une bonne remarque, restauration. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart proposent en fait sont généralistes. Il y en a quelques-unes qui sont très orientées restauration parce que ça semblait le plus naturel dans un premier temps, mais la plupart comme Dood sont vraiment généralistes et donc du coup en fait peuvent s'adapter à n'importe quel type de vente. Si vous êtes artisan d'art, vous pouvez tout à fait, en fait, c'est vous qui allez structurer les rubriques quelque part de votre site, c'est vous qui allez choisir les fiches produits, donc définir le contenu des fiches produits. Il n'y a rien qui est imposé, il y a juste en fait la structure type, ça va être catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Vous allez remplacer ça par lampe de table, voilà, enfin, différentes rubriques qui ont du sens par rapport à votre métier. Donc derrière, c'est toujours la même chose. Après, il y a éventuellement dans certaines plateformes des spécificités. C'est bah, effectivement dans la restauration, le fait de prendre les chèques restaurants, ça a du sens. Pour un artisan d'art, ça n'a pas de sens. Mais voilà, les SumUp, les Dood et la plupart des solutions et des plateformes proposent, enfin sont généralistes et s'adaptent à tout type d'e-commerce. Ils ne sont pas centrés, enfin, ou focalisés que sur la restauration. Après, vous avez des plateformes vraiment thématiques, maboulangerie.com. Voilà, bon là, c'est pour les boulangers, et donc il y a quelque chose qui a été fait pour les boulangers. Mais la plupart des plateformes sont généralistes et sont adaptées à tout type de commerce, y compris de l'artisanat d'art. Alors, dans la personne qui posait cette question précise, le produit, ce sont des dérivés à partir de dessins. Donc des produits dérivés type carte postale, mug, etc. Donc c'est plutôt de la production artistique, artisan d'art. Est-ce qu'il y aurait des sites ou des solutions bien adaptées pour ce type de produit? Alors, souvent dans on va dire des productions un petit peu artisanales de ce type-là, vous pouvez avoir des marketplaces comme Etsy par exemple, ETSY, qui sont souvent orientés homemade, production artisanale. Voilà, donc ça c'est une possibilité. Donc c'est vrai que les grandes places de marché souvent ne sont pas très adaptées à de la production artisanale et à de la production unitaire. Donc par contre, plutôt d'aller sur des places de marché spécialisées homemade, comme Etsy notamment. Avant, c'est une structure qui a racheté peut-être une place de marché que vous connaissiez, qui s'appelait A Little Market. Bon, voilà, c'est plutôt sur ce type de production, il faut plutôt aller sur des marketplaces de ce type-là. Mais après, vous pouvez également vendre en ligne ce type de produit. Pourquoi pas sur Facebook, hein. Facebook a une partie place de marché et voilà, ça peut répondre à la demande. Et après, vous pouvez aussi assurer de la visibilité via, on va dire, les réseaux sociaux. Donc, bah, par exemple, sur cette production-là, en fait, du coup, de communiquer sur Pinterest et de proposer des boutons acheter et d'intégrer ça dans un Facebook Shop ou d'autres systèmes pour passer à la vente en ligne. Donc, du coup, aller chercher le client donc sur les Pinterest ou Instagram en communiquant sur voilà, des produits, etc. et proposer des boutons acheter pour permettre de vendre au client. Une autre question, j'en pose deux encore, ensuite je passerai le relais à Nathalie Boudard. Donc le click and collect pour de la prestation de service, est-ce que c'est pas un peu compliqué? Est-ce qu'il serait aussi adapté là? Alors, voilà, ça dépend de ce qu'on appelle la prestation de service. Voilà, est-ce que c'est 2 heures de ménage, est-ce que c'est repasser une balle de linge, etc. Enfin, voilà, c'est très différent. Souvent sur de la prestation de service, ça va être beaucoup plus la prise de rendez-vous ou le fait de bloquer des créneaux horaires, etc. d'un prestataire. La vente va se faire après par un canal classique, plutôt de la prise de rendez-vous qui risque d'être le plus adapté. Et après, justement, ça peut être si vous êtes prestataire de service, alors vous êtes artisan, vous êtes électricien, bon, c'est pas évident de faire du click and collect, enfin,
par rapport au cas classique. Par contre, du coup, ça peut être intéressant de proposer des créneaux de rendez-vous, que ce soit des rendez-vous physiques ou des rendez-vous téléphoniques, pour qu'un client puisse interagir avec vous et puisse avoir votre avis, pour avoir un devis, pour etc. Donc, voilà, il faut s'adapter. Ça dépend vraiment de chaque métier, mais évidemment, effectivement, le click and collect ne va pas pour tout. Vous êtes électricien, alors à moins de faire des produits qui pourraient être adaptés. Vous mettez à vendre des guirlandes LED, etc. Bon, voilà, c'est un métier connexe, mais sinon, la prestation de service, en l'occurrence, il n'y a pas de sens de faire du click and collect sur un. Une autre Ok. question? Oui, bah, du coup, je relaye à l'oral aussi une réponse. La place de marché empreinte est spécialisée pour les artisans d'art. Si vous êtes atelier d'art de France, C'est vrai. le chat Oui. empreinte-paris.com. Alors c'est vrai que alors dès qu'on est très artisan d'art un peu haut de gamme, il peut avoir alors, des notions de place de marché ou de showroom virtuel ou galerie virtuelle qui permettent de faire un système, enfin voilà, de mettre en avant en fait l'artisanat d'art. Donc là, il faut aller sur des voilà, sur des canaux qui sont assez adaptés à ça. En France ou à l'international. Donc, du coup, là, c'est moins la notion de place de marché, mais des fois, vous avez des acteurs qui font de la décoration, par exemple, et du coup, qui permettent à des artisans d'art, en fait, de faire leur promotion, via leur canon. Est-ce que Nathalie Boudard veut prendre le relais sur quelques questions? Oui, j'allais te dire. On a Louis Bertrand qui nous pose une question pratico-pratique sur Etsy. Est-ce qu'on peut faire des chapitres? Wow, c'est une bonne question, ça. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut structurer son offre dans Etsy, dans sa boutique? C'est à vérifier. C'est à vérifier. Moi, j'ai en tête quelque chose d'assez linéaire, donc je suis pas sûr, mais c'est à vérifier. Éventuellement, s'il envoie son email, je peux lui répondre en vérifiant. Je voudrais pas lui dire de bêtises. Mais s'il communique un moyen de qu'on puisse lui envoyer de l'information sur le chat, par exemple, il envoie son email et vous me le transmettez et je lui répondrai de façon détaillée en ayant vérifié ce que là, bah, je suis pas certain. Ensuite, on a Cyril qui nous pose la question suivante. Est-ce que vous avez à disposition une liste d'autres solutions de click and collect en plus de celles que vous avez présentées dans ce webinaire? Alors, avant que Nicolas ne réponde, je peux vous dire, Cyril, que vous pouvez de toute façon contacter le numéro, la hotline e-commerce qui a été mise en place par la région. Donc, je répète le numéro 04 26 73 7 57 et que là vous pourrez aussi avoir des réponses à des questions techniques de ce type. Nicolas pourra compléter, bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que le click and collect, la bonne solution, elle dépend vraiment de comment vous fonctionnez, de votre métier. Donc, du coup, c'est voilà, là on brosse un peu un panorama pour vous donner un petit peu envie, mais la solution, elle peut être vraiment personnalisée en fonction de y a du sens. Il y a un point qui est intéressant, c'est que la région finance ce qu'on appelle les programmes atouts numériques, opéré par l'espace numérique entreprise. Donc, c'est de l'accompagnement par des consultants pour vous aider à définir des projets et faire des choix. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est complémentaire au financement sous forme de subvention. Mais du coup, si vous avez besoin, en fait, pour mettre en place un service de click and collect, de par des spécificités, hein, métier, du coup, de voir comment être accompagné via le programme Atout. Et donc là, il suffit d'appeler la hotline, d'échanger avec la hotline par rapport à votre projet et voilà, vos attentes. Et du coup, ils pourront sans doute vous orienter vers des dispositifs d'accompagnement qui peuvent vous permettre du coup de faire les choix et les bons choix. Parce qu'effectivement, là, je vous donne un peu des solutions pour vous donner envie, vous ouvrir des pistes. Mais c'est vrai qu'en fonction du métier, entre l'artisan d'art, etc., je vais pas l'orienter du tout sur les mêmes solutions que quelqu'un qui va être voilà, fleuriste du coin.
Ce n'est pas les mêmes solutions pour mettre en place du click and collect ou faire de l'e-commerce ou aller sur des canaux de vente qui ont du sens par rapport au métier et à la boutique, à la stratégie et au positionnement de votre entreprise. Donc vraiment, c'est à chaque fois, ça va être du cas par cas. Et donc du coup, vous pouvez être accompagné dans le cadre du programme Atout par des gens qui sont neutres quelque part par rapport aux prestataires, mais qui vous aident à faire les meilleurs choix possibles et à sélectionner le prestataire ou la plateforme la plus adaptée. On a de nouveau une question assez technique qui concerne Facebook. Donc on a Isabelle qui nous dit, concernant la page Facebook Pro, si on a Oui. déjà une page mais qui n'est pas pro, est-ce qu'on peut récupérer tous ses amis ou alors est-ce qu'il faut repartir à zéro? Alors, ça, c'est un vrai, vrai souci. Facebook, en fait, à un moment donné, vous aviez une page qui était en fait une page perso, et normalement, elle donne des alertes et vous demande en fait de passer en page professionnelle. Et donc, quand c'est dans cette dynamique-là, en général, ça permet de garder ses contacts et du coup de ne pas perdre en fait son historique. Là, sur le passage, si vous avez déjà une page Facebook Pro qui cohabite avec une page perso et de récupérer en fait vos contacts, votre historique quelque part Facebook perso, à vérifier. Mais quand on n'est pas dans cette phase de passage de l'un à l'autre, où Facebook vous incite à passer en pro, j'ai peur que ça soit compliqué. Faut que je vérifie. Mais éventuellement, si vous me posez la, pareil, si vous envoyez un email, je peux vous confirmer, vous envoyer l'information. J'ai plein de sociétés qui ont perdu en fait tout un historique de relations clients parce qu'ils l'avaient construite sur une page perso. Je pense notamment par une maison d'édition, une TPE hein, dans le domaine de l'édition de livres. Ils avaient construit tout un historique de relations clients sur une page personnelle et ils ont pas fait ce passage à la page professionnelle. Et à un moment donné, Facebook a coupé, en fait, complètement, a désactivé la page personnelle. Et donc, du coup, ils ont perdu tout leur historique de relations clients, de contacts. Et il y en avait des milliers. Hein. Lors de ce passage-là. Mais là, pareil, si vous pouviez envoyer votre email sur le chat et que l'équipe me le retransfère, je vérifierai s'il y a un truc et astuce pour arriver quand même à essayer de récupérer ces contacts page perso dans une page Facebook Pro existante et pas certain. Hein. Il y a d'autres questions? Oui, on a une question. Vas-y, Béatrice. Alors, je vais un peu dans le désordre. Le paiement en ligne a été abordé en premier. C'est une Oui. personne qui a rejoint plus tardivement. Bon, est-ce Alors, que c'est vrai vous que pouvez. j'ai pas très développé le paiement sécurisé. Alors, le paiement sécurisé, donc effectivement, c'est un point crucial dans de la vente e-commerce. Donc, si c'est sur votre site, etc., vous allez devoir proposer du paiement sécurisé. Donc, plusieurs solutions. Soit vous prenez la solution de votre banque, vous interrogez votre banquier et qui a une solution, quel que soit le réseau bancaire, il a une solution à vous proposer. Donc là, il faut bien regarder les coûts. Après, vous avez des solutions proposées par des opérateurs en fait de paiement sécurisé hein, qui s'appellent Stripe, Paybox, Payzen. Il y a plein de solutions plus ou moins faciles à intégrer avec des coûts un peu différents. Alors, si vous faites du franco-français avec de l'achat par des cartes bancaires classiques, Visa, Mastercard, etc. Voilà, tout type de solution peut être adapté, mais c'est vrai qu'il y a des coûts qui peuvent être un peu différents. Et ces coûts intègrent en général on va dire une somme forfaitaire liée à chaque commande, par exemple 0, euro, plus un pourcentage, en plus 1,4% du montant de la commande. Donc il y a plein de solutions qui existent, des faciles à intégrer, type Stripe, etc. Et également les solutions de vos partenaires bancaires. Donc là, vous pouvez les mettre en concurrence.
à demander à votre banque qu'est-ce qu'il peut vous proposer comme contrat VAD, vente à distance avec une solution de paiement sécurisée. Et également de regarder sur du Stripe, Paybox, quel serait le coût de mise en place de cette solution. Donc en fait, il faut regarder les coûts et la facilité d'intégration. Et la facilité d'intégration, donc là, ça dépend vraiment de la technologie avec l'outil avec lequel vous avez fait votre site internet. Est-ce que c'est un WordPress WooCommerce? Est-ce que c'est un PrestaShop? Est-ce que c'est autre chose, un Joomla ou d'autres technologies, un Wix, pour voir quel module de paiement sécurisé existe et facilement intégrable dans votre site e-commerce. Là, je dirais quelque part, ça dépend de votre technologie avec laquelle vous avez fait votre site e-commerce, donc du coup de la présence des différents modules, et puis après de regarder bah, les contrats en fonction de la structuration du prix, voir bah, lesquels sont peuvent être le plus intéressant possible. Donc pas hésiter à mettre en concurrence voilà votre banque et d'autres opérateurs dont c'est le cœur de métier. Lemonway, Paybox, Payzen, Stripe, qui est un acteur. PayPal, bien sûr. Enfin, il y a différentes solutions. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces solutions de paiement sécurisées permettent d'intégrer, du coup, enfin, derrière tous, ils proposent d'accepter des paiements de tout type de carte bancaire. Mais après, certains peuvent voilà, accepter des paiements avec des monnaies. Apple Pay ou enfin, différents autres types de monnaie ou monnaie virtuelle. Là, voilà, c'est des choix à faire en fonction de comment vous voulez que vos clients payent. Et surtout, voilà, ce module, il doit s'intégrer à un site WordPress, un site PrestaShop, un site. Alors, sur les plateformes, c'est un peu différent. Les plateformes SaaS, les modules sont déjà existants, donc il faut regarder on va dire dans le catalogue des offres. Si vous voulez activer Stripe, si vous voulez activer PayPal, si vous voulez activer n'importe quelle autre solution. On a une question sur les aides de la région. Monsieur ou Madame Vasseur qui nous dit concernant l'aide de la région, est-ce que je dois faire l'avance et présenter des factures réglement? La région vous subventionne sur présentation de factures acquittées. Vous déposerez votre dossier sur une plateforme que l'on appelle le portail des aides. Vous pourrez être identifié, vous joindrez vos factures ainsi que votre relevé d'identité bancaire pour que le versement puisse être assuré. Dans quel délai le seront-elles? Alors, il faut que vous sachiez qu'il y a tout un travail déjà d'instruction qui doit être réalisé d'un point de vue administratif et puis qu'ensuite, les aides sont coordonnées au fait qu'il y a un vote de la part des élus régionaux. En ce moment, les élus régionaux se réunissent très régulièrement, on va dire une à deux fois par mois, pour justement pouvoir voter ces aides exceptionnelles pour aider l'économie. On va dire qu'en fonction du dépôt de votre dossier, on est sur un délai de versement de l'ordre du mois ou du mois et demi, en fonction et du délai d'instruction et d'autre part de la tenue des commissions permanentes qui vont permettre le vote des élus et ensuite de donner l'autorisation à la collectivité de vous verser la subvention. Alors, une Alors, il y question, avait. est-ce qu'il existe un comparatif des différentes aides? Pas des différentes aides, je reviens, des différentes solutions de vente en ligne, etc. On peut toujours renvoyer vers l'espace numérique entreprise et Atout numérique, qui sera du conseil personnalisé, mais néanmoins, est-ce qu'il existe des outils comparatifs? Oui, alors en ligne, vous avez que ce soit sur on va dire la comparaison, par exemple, des outils pour créer une boutique e-commerce, donc les différents CMS ou plateformes, ou les solutions de paiement sécurisées. Vous tapez justement comparatif solution paiement sécurisé 2020 dans Google, par exemple, une recherche assez précise, et du coup, vous allez tomber sur des voilà des comparatifs, des avantages, inconvénients et des coûts des différentes solutions. Donc
Pour trouver la bonne information, il faut faire une requête assez précise. Pas hésiter à intégrer l'année, parce que si vous avez un comparatif 2016, ça n'a pas beaucoup d'intérêt au jour d'aujourd'hui, parce que les choses ont pu évoluer. Donc, mettez comparatif solution paiement sécurisée 2020 et vous obtiendrez de l'information. Éventuellement, utilisez les guillemets dans la recherche d'information. Et quand on cherche paiement sécurisé, si vous laissez sans guillemets, il cherche tous les sites où il y a paiement, tous les sites où il y a sécurisé. Si vous mettez entre guillemets paiement sécurisé, il va chercher le moteur de recherche, Google ou d'autres, il va chercher l'expression paiement sécurisé. Et donc, du coup, ce sera beaucoup plus fin. Donc, si vous tapez panorama, enfin, ou comparatif des solutions de paiement sécurisé, le tout entre guillemets et 2020 à côté, et là, vous aurez un résultat qui sera normalement très précis et qui vous permettra de vous faire votre avis et d'avoir vite la bonne information. Encore une question professionnelle, enfin sur une profession particulière. Prof de sport et d'une part et diététicienne d'autre part. Là aussi, est-ce qu'il y a des filières, des outils un petit peu spécifiques? Alors, diététicienne et prof de sport. Alors, en fait, c'est deux choses un peu différentes et qui peuvent avoir des façons de vendre un peu différentes. Est-ce que, voilà, est-ce que prof de sport, c'est-à-dire que vous assurez des cours particuliers ou du coaching à des personnes en présentiel, donc en physique ou à distance via visio vous fassiez, voilà, vous proposez du coaching individualisé, personnalisé tous les jours de 8h à 8h30 etc. Donc ça c'est une chose. Donc là, du coup, est-ce que c'est donner la possibilité d'acheter des créneaux quelque part? Je veux acheter 10 séances de coaching etc. individualisées que je vais pouvoir positionner après en prenant des rendez-vous dans un système voilà, dans un système en ligne. Et diététicienne, voilà, diététicienne, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un abonnement à un service de conseil diététique? Ça veut dire que ben voilà, vous accompagnez les personnes pour définir voilà, quelle est la personne vous propose vous indique en fait quels sont ses objectifs, quelles sont ses pathologies, quels sont ses objectifs de perte de poids ou de santé, et du coup vous vérifiez ben, la composition des repas diététiques, et donc du coup voilà, quel service vous voulez vendre pour du coup ben, définir quel est le bon moyen de communiquer et de vendre en ligne l'offre. Est-ce que c'est une offre packagée? Est-ce que c'est une offre où on achète 10 heures de cours individualisés ou 10 heures de cours collectifs? Et du coup, comment on vend ça en ligne? Comment on en fait la promotion via un site qui intègre cette vente en ligne? Alors, il y a peut-être un point sur lequel j'aurais dû insister. Dans des cas, par exemple, comme cette personne, en fait, qui, quelque part, va vouloir faire un site qui met en avant ses différentes activités et proposer juste de la vente en ligne, mais quelque part, elle a quelques produits, il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, hein. Du coup, la solution, en fait, qui peut être adaptée pour construire son site, va être différente de quelqu'un qui a n'importe quoi, une boutique de vêtements et qui a 1000 produits à présenter. Donc, si on veut faire un site e-commerce, par exemple, sur la personne qui va faire des cours, qui veut proposer donc du coup du coaching individualisé ou d'acheter des packs de tenders de cours collectifs, cours individuels ou enfin tout ce qu'on souhaite. Du coup, la personne qui a besoin en fait de créer des vendre des cours, quelques produits, quelques packs, ben donc du coup là cette personne-là, elle va pas utiliser un site un outil qui permet en fait de structurer un gros catalogue. De faire quelque part faire un Amazon avec des rubriques, des sous-rubriques, des sous-sous-rubriques, ça n'a pas d'intérêt. Cette personne-là a plus besoin d'un site en fait qui est un site de marque vitrine où elle va pouvoir raconter une histoire, elle va pouvoir intégrer des vidéos, elle va pouvoir expliquer le contenu de son offre, donner des exemples, des testimonials clients. Donc quelque part c'est plus un site de contenu et dans lequel il va quand même avoir une partie capacité à acheter des prestations, un pack de 10 heures de cours collectifs, etc., un coaching individualisé pendant 3 mois, etc., donc différentes offres qu'elle aura construites. Donc, du coup, pour construire ce type de site, il faut plutôt aller sur un site, un outil comme WordPress, donc qui est un outil pour créer des sites, et d'intégrer un module
WooCommerce, qui est le module de vente en ligne, quelque part. Et donc, du coup, le cœur de son site, ça va être un site de marque où on va raconter une histoire, une prestation, on va donner des cas clients. Enfin, c'est plus un site de contenu dans lequel il y aura juste une brique de vente en ligne, mais parce qu'on a quelque part quelques dizaines de produits à vendre maximum. Quelqu'un qui a vraiment des gros catalogues, il faut structurer dans des rubriques, des sous-rubriques, des sous-sous-rubriques pour permettre d'accéder aux différents produits. Là, on va plutôt utiliser un PrestaShop, un Shopify sur une plateforme, un Magento, des outils plus adaptés pour faire de la structuration de catalogue. Donc, effectivement, en fonction du type de métier, l'outil qui va être le plus adapté derrière n'est pas forcément le même. Après, il existe quand même des outils, si on parle de cette personne qui fait des conseils diététiques ou des cours sportifs, elle peut le faire avec plein d'outils. Ça peut être des outils régionaux, hein, site W dans le Cantal qui fait permet de créer gratuitement un site donc en ligne, voilà, ou 42 stores dans la Loire, ou d'autres, voilà, d'autres éditeurs. En fonction du type de besoin et de solution, on va avoir des solutions qui seront soit CMS, soit plateforme SaaS adaptées. Mais là, par exemple, en l'occurrence, le but du jeu, c'est de faire un site avec du vrai contenu, de mettre en avant, d'avoir des possibilités d'échanger, par exemple, avec des clients potentiels, de faire du chat ou d'enclencher, de réserver une visio, parce que ça se vend pas forcément tout seul. Et des fois, il faut du coup que le client potentiel puisse en fait échanger avec vous avant de souscrire une offre qui va être un pack de 10 heures de coaching individualisé, un cours collectif tous les mardis matins de 7h30 à 8h pour faire du gainage ou etc. Enfin bon, donc on peut imaginer plein de choses à ce niveau-là. Je propose, Nicolas, je vais prendre la dernière question de monsieur ou madame Vasseur qui demande si l'aide à la numérisation est soumise à l'obtention ou non. Je propose de conclure sur les aides de la région et puis de terminer ce webinaire. Sur les aides de la région, comme cela vous a été indiqué, on est sur un dispositif global pour vous accompagner. On a des aides qui peuvent vous permettre de vendre en ligne. C'est le dispositif développé Mon commerce en ligne. C'est également l'annuaire régional qui peut vous mettre en avant et qui s'appelle J'achète dans ma région. C'est une hotline aussi sur le e-commerce, mais il existe également d'autres outils, des outils qui ne sont pas liés au fait que vous ayez mobilisé l'aide pour vendre en ligne. Il y a deux grandes catégories d'aides. Des aides pour vous aider à surmonter la crise Covid-19 actuellement. Dans cette famille d'aides, il y a d'une part une aide exceptionnelle à l'investissement, c'est-à-dire que tous les investissements que vous aurez pu réaliser pour aménager votre local commercial ou développer votre activité depuis le 1er janvier 2020 et jusqu'au 20 janvier 2021 pourront être subventionnés pour un maximum de 5 000 euros concerne tous les commerçants et artisans jusqu'à 50 salariés. Donc ça, c'est la première aide exceptionnelle à l'investissement. Il y a une deuxième aide pour la vente à emporter. Cette aide va vous permettre de bénéficier d'une subvention pour l'organisation de la vente à distance et la livraison à domicile. C'est une aide également subventionnée à 5 000 euros avec un taux d'intervention de 80% des dépenses engagées et qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour laquelle il faut présenter un dossier là encore jusqu'au
2021. Et puis ensuite, il y a une aide, entre guillemets, que nous appelons une aide socle, qui existe tout au long de l'année, là, qui vous accompagne aussi pour de la création ou de la rénovation de votre point de vente. Le taux d'intervention est de 20%. Le montant de la subvention est supérieur puisque il est plafonné à 10 000 euros et mobilisable sous réserve que votre collectivité intervienne également, donc la communauté de communes par exemple. Pour l'ensemble de ces informations, on vous a indiqué dans le chat le lien vers le dispositif global pour les aides de proximité. Et donc, vous retrouverez toutes les précisions et tous les liens qui vous permettent ensuite de déposer votre demande de subvention. Plus certaine de vous l'avoir dit, pour l'aide exceptionnelle à l'investissement, on est sur un taux d'intervention de 25%. Je vais conclure ce webinaire en remerciant Nicolas Balladier sur ses questions-réponses. Il vous indique aussi donc sur le diaporama l'ensemble des outils et des solutions qui sont présentées dans ce webinaire. Je vous le rappelle, donc ce diaporama est en ligne également sur le site de la région. Vous pourrez trouver les explications, le diaporama et les liens pour aller plus loin sur le site internet de la région. J'espère que cette intervention d'1 h 30 vous aura permis d'avoir des éléments plus précis sur des projets que vous souhaiteriez engager ou alors des confirmations pour ceux qui sont déjà plus aguerris au commerce en ligne. Je vous rappelle également que notre collectivité est à vos côtés pour vous accompagner dans cette démarche de digitalisation de votre activité. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Bonsoir.